Et salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de l'édition de Sonic Mania qui est sortie. Enfin, sortie et pas sortie. Donc, je vous explique, il y a une version Sonic Mania qui est sortie. Donc, elle est sortie sur PS4, sur Xbox One, sur Nintendo Game Switch. Et il doit y avoir une version PC qui va sortir. Mais la version PC a été repoussée jusqu'au 29 août. Je crois que c'est pour finir les réglages du jeu, pour qu'il soit parfait. Donc moi, comme vous le savez, j'ai une PS3, donc du coup, ben, je suis marrant, parce qu'il n'y a pas eu d'édition pour PS3. Alors, il y en a qui vont me dire, pourquoi t'as pas la PS4? Ben, perso, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, la PS3, j'y joue très peu. Ben, juste, j'ai quelques jeux, mais je suis plus très fan de la PlayStation. Comme vous le savez, je suis plutôt fan des jeux rétro gaming. Alors, sur ma PlayStation 3, ouais, j'ai Sonic Génération, qui est pas mal. Et voilà, donc j'aurais bien aimé que le jeu sorte sur PlayStation pour pouvoir me l'acheter, enfin, sur PlayStation 3. Et là où je suis encore un peu plus en colère, enfin ça m'énerve, c'est qu'il y a une édition collector qui est sortie, donc vous avez une petite Mega Drive. Dedans vous pouvez mettre deux piles. Quand vous appuyez sur le bouton, ça fait Sega. Et dessus il y a un Sonic. Donc en France, il y a l'édition collector Nintendo Game Switch, PS4, Xbox One qui est sortie. Alors comme d'habitude, bonjour l'arnaque. Puisqu'au départ, elles étaient annoncées à 99 euros à peu près, par exemple sur Amazon. Donc aujourd'hui, la seule version qui reste disponible sur Amazon en neuf et raisonnablement, c'est la Nintendo Game Switch qui est à 89 euros. La version Xbox One est indisponible. La version PS4 est indisponible. Mais vous avez quelqu'un qui la vend de l'occasion à 179 euros, il me semble. eBay, c'est pareil, hein, vous allez sur eBay. Hormis quelques vendeurs réglo des États-Unis qui vous vendent une version Nintendo Game Switch à 70 euros par inclus. Mais je crois qu'il y a une histoire de Switch américaine, il me semble que c'est pas compatible entre les deux. Donc, hormis ce vendeur, vous allez voir, les prix c'est pareil quoi. Vous avez des éditions collector qui montent à 140, 150 euros. Et honnêtement, j'avais vu sur Amazon, alors je voulais vous prendre des photos sur amazon.co.uk parce que sur Amazon en Angleterre, vous avez les trois versions qui sont encore à 79 livres sterling. Donc je crois que ça doit faire dans les 90 ou 95 euros. Et donc vous avez des commentaires où les gens critiquaient. Il y avait 4 commentaires. Il y en avait un très bon, 3 mauvais. Et en fait, les gens critiquaient le Sonic qui est sur Mega Drive. Donc il y avait des photos, mais les photos ont disparu. Alors je ne peux pas vous les montrer. Mais je vous mettrai les commentaires qui sont en anglais. 79 livres sterling. C'était pas une collector qui valait le coup, quoi. Le Sonic avait des défauts de peinture. Il y en a même un qui a eu la petite console Mega Drive. Donc. Et lui, quand il switchait, même en changeant de pile, il n'y avait pas de bruit. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui achetez cette version collector. S'il y en a qui l'ont, bah, vous pourrez me dire en commentaire comment est la qualité de votre figurine Sonic. Donc dans la version collector, vous avez le jeu, forcément. En Nintendo Game Switch, je ne sais pas si c'est pareil pour PS4, Xbox et Xbox One. Et vous avez juste une carte avec le code de jeu à télécharger. Il n'y a pas de jeu version boîte. Et donc dans l'édition collector, vous avez le Sonic sur la Mega Drive. Mega Drive donc sonore, je vous l'ai dit. Un petit anneau doré, une reproduction de la cartouche, et je crois une carte collector. Mais en Europe, malheureusement, il n'y a pas de version collector PC. Donc celle-là, si vous la voulez, il faut aller regarder sur les sites eBay US. Donc la collector, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir, parce qu'elle n'a pas d'édition PC et une édition US, ça va me coûter la peau des fesses. Mais en même temps, au retour que j'ai vu sur Amazon Angleterre, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas déçu, puisqu'il y en a qui disent que ça ne vaut pas les 80 euros. Pourtant, moi, je suis fan de Sega, mais bon. 80 euros, c'est pas rien, et si c'est pas top, j'ai pas envie de me faire avoir. Alors j'avais bien pensé à commander justement bah, la seule version disponible qui reste accessible sur Amazon, c'est Nintendo Game Switch. Là, elle a baissé à 89 euros. Mais le problème, c'est que comme c'est pas une édition en boîte, vous pouvez même pas revendre de jeu. Il faut revendre la carte avec le code à gratter, mais forcément, si vous la vendez, le mec il va dire non, le code il marche pas alors qu'il aura marché. Et comme ça, vous faites bananer quoi. Sur eBay ou sur Amazon, le gars écrira au site, il dira oui, le code ne marchait pas, Amazon le remboursera et vous, bah, dans le baba. Donc en attendant que j'aie ma version PC à moi, je vous ai mis quelques images, vous allez voir, il y a l'intro, quelques levels, je ne vous ai pas tout mis. Je vous ai montré les bonus stages et quelques boss de fin. Donc j'espère que ça va aller, parce qu'en fait, les images que je vais vous proposer sont enregistrées en 60 fps. Et ma caméra n'enregistre qu'en 25 fps celle-ci. Donc je vais optimiser la qualité pour que tout ce qui est passage vidéo soit nickel. Peut-être que là, le passage où moi je parle sera un petit peu flou, je ne sais pas, j'ai jamais fait ça.
Donc maintenant, là, c'est ce que vous attendez, je pense, le plus. C'est quelques vidéos de Sonic Mania. Alors on débute par le premier niveau de Sonic Mega Drive, donc ça c'est assez, assez amusant. Bon, vous allez voir après, il y a quelques améliorations graphiques quand même. Mais ça commence bien pour ce petit côté rétro. Aperçu d'une autre zone qui est Post Garden. Donc un petit niveau original, il me semble que c'était dans le Sonic 3 où vous aviez ça, je sais plus si c'était le 3 ou le 2.
comme d'habitude dans Sonic, voilà, vous avez des niveaux où vous allez aller à fond, donc des fois vous n'avez même pas le temps de voir le décor. Vous savez même pas si vous allez tomber dans un piège. Alors qui dit nouveau Sonic, bah, dit nouveau bonus stage comme vous le voyez, donc il y a différentes versions de ce niveau de bonus. Vous en avez mis 3 ou 4 il me semble. Yeah.
Et nous passons maintenant à un aperçu de quelques boss, donc je ne vous ai pas tous mis. Un boss assez classique pour la zone de départ. Là c'est original puisqu'en fait c'est une sorte de... Ah je m'en rappelle plus le nom du jeu de Sega qui s'est fait pareil avec Sonic mais... Peut-être Dr. Robotnik Machine. En tout cas c'est comme Columns quoi, il faut aligner trois couleurs ensemble. Et forcément si vous réussissez, bah, c'est vous qui gagnez. Donc c'est assez original je trouve. Celui-là aussi est assez amusant comme boss. Au fur et à mesure, vous avez la partie où vous pouvez jouer qui se rétrécit, donc il faut pas traîner non plus. Ça me fait penser un peu aux machines à grappin, vous savez, les machines de jeu, alors qu'en fait c'est juste un compacteur de casse.
Alors malheureusement ils ont remis des zones aquatiques, moi je suis pas très fan, c'est-à-dire que ce serait bien s'il n'y avait pas le principe de toujours devoir chercher justement une bulle d'air pour respirer. Et dans un jeu comme Sonic qui est assez rapide à chaque fois, ben, je trouve que l'eau ça nous ralentit. Là c'est le boss que je vous montrais tout à l'heure de la zone où vous êtes sur un avion. Une jolie petite chenille.
Et là, c'est encore un bon côté rétro, puisque regardez, c'est le premier boss, enfin, le dernier boss de Sonic sur Mega Drive. Donc ça fait plaisir de le retrouver là, comme d'habitude, il faut éviter les 4 boules qui descendent. Et ça, c'est franchement une super surprise. J'ai l'impression de revenir 30 ans en arrière, je me rappelle même plus quand est sorti le premier Sonic. Et voilà, alors après je vais vous laisser là, je vais pas vous gâcher la fin, parce que vous trouverez déjà sur YouTube des vidéos qui vous montrent le générique de fin du jeu, donc je pense que vous voulez peut-être avoir la surprise. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, ça vous a donné envie d'acheter le jeu si vous ne l'aviez pas acheté. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Ciao tout le monde.